Bonjour à tous, Daniel Bédard ici, encore pour continuer en fait la liste des 40 rudiments officiels du Percussive Art Society. Le prochain en fait c'est le Multiple Bounce Roll, qu'on appelle aussi le Buzz Roll ou le Press Roll, qui se trouve à être ceci. Ce que je fais ici, en fait, c'est relativement simple, en fait, c'est que j'écrase la baguette dans la peau, comme ceci. Ici aussi. Je fais ça généralement dans la région en haut aussi de la caisse claire, où est-ce que la tension est relativement forte pour avoir un beau son. On peut faire aussi au centre et vraiment plus haut, mais bon, je préfère un peu la zone ici. Là. Ce qui est important en fait, c'est que il faut avoir la bonne pression dans la main. Si on pèse trop, ça va faire ça. Ça va être trop court. Si on pèse pas assez, on va avoir trop d'attaque, trop de ta 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 ta. On veut vraiment comme un dzz, comme une seule, un seul coup. Des coups qui sont longs. Bzz. Ok. Donc, il faut jouer un peu avec la pression qu'on met sur la baguette. Trouver en fait la bonne zone où est-ce que le son est le plus beau, si on veut, le plus long, le plus et avec le moins d'attaque possible. On veut pas ces coups-là. Okay? Avec cette main-là, ici, je pèse surtout en fait avec majeur, index et mon pouce. C'est surtout ces trois doigts-là qui travaillent. Les deux autres ne travaillent pas vraiment pour ce roulement-là. Ici, je pèse beaucoup avec mon pouce. Et avec mon index aussi. Donc, voilà, vous pouvez jouer ça comme. Allez-y tranquillement, une main à la fois. Montez la vitesse tranquillement. Vous pouvez jouer très doux. À des accents. Explorer en fait toutes les possibilités sonores qu'il y a avec ce roulement-là. Donc voilà, c'est ça ce qu'on appelle un buzz roll, le multiple bounce roll, chose qu'on va voir, un nom qu'on va voir aussi en fait sur les posters de rudiments. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me ferait plaisir de vous aider à développer ce roulement. Et sinon, d'ici là, ben, bonne pratique et on se reparle bientôt. Okay.